On retrouve beaucoup l'esprit du Nord dans ces jeux, la convivialité, la générosité, le partage. Oh, merci. Indémodable, véritable patrimoine culturel européen, depuis des siècles, les jeux flamands ensoleillent les dimanches des petits comme des grands dans les Hauts-de-France et en Belgique. Il y a une envie de se retrouver sur des jeux comme ça, où c'est sain, où c'est pas du plastique, c'est pas des écrans, c'est pas du virtuel. On est ensemble et puis ça casse toutes les barrières sociales. Nous sommes à Ennevelin, dans le département du Nord, connu pour son climat océanique avec des hivers doux et des étés un peu frais. Je lui fais prendre le passage, j'évite les deux petits pièges, je contourne le vin, je restabilise sur le nez rouge et j'avance tout doucement. Voici Jean-Christophe. Depuis 25 ans, avec l'association qu'il a créée, il fait découvrir ses jeux et leurs histoires. Il y a un moment, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh là là, j'ai passé d'élan. Nous, dans le Nord, bon, on ne peut pas dire qu'on est souvent du beau temps, donc on se retrouve souvent à l'intérieur. Dans les villages, autrefois, il y avait quasiment un café, ce qu'on appelle estaminet, dans chaque coin de rue, et on y allait en famille. On y mettait des jeux pour les enfants, posés sur les tables. Les dames aimaient bien papoter, raconter des histoires. Et les hommes, ils allaient souvent dans les arrière-cours de café pour jouer à différents jeux. D'intérieur ou d'extérieur, de précision ou d'adresse, les jeux flamands puisent leurs origines aux quatre coins du monde. C'est vrai que la Flandre, dans l'histoire, c'est un carrefour des populations. Les Espagnols, les Chinois. Et chacun a ramené sa culture et ses jeux qui se sont transformés ici, quoi. Direction maintenant Sailly-sur-la-Lys. Nous avons rendez-vous avec la famille Roger qui, depuis trois générations, vit au rythme des parties. Si le billard et le baby-foot sont dans leur ADN depuis toujours, Philippe, le papa, décide dans les années 90 de se lancer dans la fabrication de ces jeux traditionnels flamands. Et depuis un an, ce sont les enfants qui ont repris le flambeau. Parmi eux, voici Armand. Je suis tombé dans cet univers dès ma plus tendre enfance. J'ai des souvenirs même où j'étais chez mes grands-parents et puis je bricolais des planches de bois. J'essayais de faire des parcours avec une bille, des clous. Dans cet atelier familial, on fabrique en frêne ou en hêtre séchée les jeux des anciens tels que les planches à rebond ou les tables à glisser. L'idée, c'est bien sûr de transmettre le plaisir de jouer aux nouvelles générations. Donc là, on est en train de réaliser le jeu de Toc, qui est un ancien jeu traditionnel qui a été largement joué dans le Béthunois, à une quinzaine de kilomètres d'ici. Ce qui nous anime, c'est de créer, concevoir et distribuer des jeux où toutes les générations peuvent se réunir autour de celui-ci pour passer du bon temps, tout simplement. Une fois découpé, poncé, assemblé, chaque jeu est ensuite teinté avec de la cire pour le protéger au maximum des rayons du soleil et de l'humidité. Si on veut, par exemple, jouer un jour d'été à l'extérieur, cette teinte-là va permettre de donner un côté plus résistant, protéger le bois. Et si jamais il y a une petite averse qui tombe dessus, eh ben, il sera quand même protégé, le jeu. La récompense de notre travail, c'est que c'est un jeu où vos arrière-petits-enfants pourront jouer dessus. C'est notre manière aussi à nous de laisser une trace dans le temps. Après quelques années d'utilisation, le jeu, il brille. À force d'être manipulé, ça va venir lustrer le jeu. Plus il vieillit, plus il est joli. C'est un peu le charme aussi des jeux traditionnels. Les traces du temps et des parties jouées, les jeux de Jean-Christophe en sont pleins. Car pour remplir cette caverne d'Ali Baba et constituer ce trésor, il a écumé toutes les braderies de la région, sauvant ainsi de l'oubli des centaines de jeux. Notre chasse au trésor, c'est tous les premiers dimanches du mois de septembre, avec la braderie de Lille. C'est un week-end qui est très très riche, il nous faut une semaine pour s'en remettre. Pendant tout le week-end, on chine, et après, pendant toute la semaine, on joue. Et parmi ces mille et une trouvailles, Jean-Christophe a ses petits chouchous, comme la toupie flamande ou le billard Nicolas. Le billard Nicolas. Le principe, donc on a des poires à air. Donc à mon avis, c'est les poires à lavement qui ont donné l'idée de ce jeu à ce Nicolas Redler. Et alors le principe du jeu, hop, on souffle et puis on essaye de mettre la bille
dans le trou des autres. Dans le Nord, on connaît ce jeu parce que ça va être présent dans les cafés, alors qu'en France, on va plus le retrouver dans les maisons bourgeoises. Grâce à ces passionnés qui les fabriquent et ceux qui les sortent de l'ombre, les jeux flamands ont encore de belles parties devant eux, pour le plus grand bonheur de tous les joueurs, petits et grands. Ce qui me plaît dans ces jeux traditionnels et flamands, c'est surtout l'humain qui ressort de ces jeux. Et c'est vraiment un support pour partager des émotions, se découvrir, se rencontrer.